Bonsoir et bienvenue dans Nostalgie Fun Outdoor ce soir au Force Pas parce que la force est avec nous, n'est-ce pas Gisotto? Viens mon fils. Jérémy, que la force soit avec toi. En Force Pas. Petit pas, on force pas. C'est le petit malin, petit malin, petit malin. Sarah Lise, sexy nini, sexy nini. On force pas, on force pas, hey. Sexy, méchant, petite, mauvaise, hein. On force pas, on force pas, on force pas, hey. La aboutchure de la team, elle force pas. Marie-Jo, sans la vase. Tu forces pas, non? Tu forces pas. Et maintenant, nous allons accueillir l'animatrice vedette, Gliss la Glissade. Ah. Et Gigli, ah Gigli, 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 ah Gigli, Gliss la Glissade. La Glissade. Je dis que elle force pas. Elle force pas. Bienvenue dans Nostalgie Fun Outdoor, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. On a voulu changer un petit peu aujourd'hui en commençant par cette petite chorégraphie qui j'espère en tout cas vous a fait énormément plaisir et surtout à Obam, ce qu'on adore ici. Hein. Voilà, bienvenue, bonsoir Sarah. Bonsoir. Comment ça s'appelle ce que tu portes? C'est un bijou de tête? Oui, un serre-tête. Un serre-tête, oui. D'accord, c'est magnifique. Merci ça beaucoup. Ça te va... On dirait que tu t'en vas te marier. Mais c'est un message. À qui de droit? À qui de droit, un message. Ça va Mary Jo? Ça va super bien, Gliss. Le bleu et le noir. Je connaissais le rouge et le noir de Stendhal. Mesdames et messieurs, je vous présente le bleu et le noir de Mary Jo. Ça va? Tu m'as l'air un petit peu... Non, ça va super bien. Super. Ça va? Je ne suis pas habituée à danser. Mm-hmm. Et non, Conan le sait très bien. Pourtant, tu danses très bien. Alors, voilà, c'est une fausse timide. Elle danse super bien. Et puis voilà, notre Choubim-Bim, notre petit... comment on va l'appeler maintenant? Choupom-pom. Choupom-pom, Choubim-Bim. Oui. Le Choubidou. Jérémy. Alors, Jérémy a décidé de nous faire voyager un petit peu ce soir. Ouais. Donc, on va aller prendre de l'air frais dans les îles. À Hawaï. Aloha. Ouais, tranquillement, quoi. Uh-huh. On force pas. On force pas. Et puis, Mr. Gisotte. Yeah, tu vas bien? Ça va super bien. Toujours fidèle à sa coiffure. Hein. Oui. J'ai décidé cette saison de changer un peu. Jusqu'ici, je faisais de l'afro. D'accord. J'ai voulu... Et ça, c'est quoi? Je pensais que c'était l'afro, ça. Mais c'est du punch afro. Juste straight. Voilà, j'ai juste laissé mes cheveux au naturel, sans peigne, rien du tout. Ah ouais. Bah, ça génial. Ça me rappelle quelqu'un qui disait que ceux qui ont les cheveux sont des gens qui ne sont pas très matures. Tu confirmes ou pas? Dans une émission antérieure. Non, pas du tout. Pas quelqu'un du l'avait tout. Dit. Mais vous bon, êtes en train d'insulter Kadjim, là. C'était surtout pour rigoler. Bonsoir Geoffroy, bonsoir Kevin, bonsoir Marc Junior, bonsoir Enoch. En fait, c'est Marc Junior qui m'a dit de dire son nom avant pour Enoch. Donc, faites par là, blabla, après, on joue. Et voilà, on est ravis de vous avoir. Ce soir, il y aura encore une fois les souvenirs enchantés. Souvenirs enchantés, il faut dire les choses bien. Ensuite, les grosses performances. Il y aura aussi un artiste invité, comme il y a de coutume. Un ou deux même, d'ailleurs. Hein? Deux quand même. Oui. Hein. Ouais. Deux, c'est mieux. Et bien avant d'accueillir nos artistes, ici, on fait le show.
On sait vous montrer comment on fait le show. On a le rythme dans la peau, la mélodie. Et tout de suite, on va commencer avec les souvenirs enchantés, justement. Flashback quelques années en arrière. Fally Ipupa, yeah. Sarah Lise, tu vas nous faire une démonstration de force. Yeah. Juste une danse de Fally Ipupa que tu nous reprends ce soir. C'est ça. Dis-moi ma belle, dis-moi ma belle si tu es bien réelle. Jusqu'à présent faut dire que tu manquais à l'appel. Désormais j'ai juré, je te jure. Pardon chérie, faut pas me laisser, oh aïe. Sans rien demander, moi je vais tout te donner. Un peu, beaucoup, je le mens de nous. Pour un tour, pour une danse, pour toujours. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya. Hey, une danse, juste une danse, pour t'enchanter. Laisse-moi t'ambiancer, donne-moi juste une chance de te charmer. Bien, je te montrerai. Chérie, suis-moi pour la soirée. Je te promets plus qu'une infinité. Un peu, beaucoup, je le mens de nous. Pour un jour, pour une danse, pour toujours. Pas mal de rythme quand même avec Fally Ipupa. Moi, j'espérais voir ce soir un petit peu de jeu de rein. Tu sais, c'est la marque déposée de Fally Ipupa. Bon, là. Ou bien il n'y a que Fally qui réussit à le faire aussi bien. Non, c'est pas. Non, c'est jeu de rein. Bah oui. Sauf qu'elle est en sky. Voilà. Du coup, ça bloque un peu les reins. Il n'y a rien qui bloque les reins. Bon, on va essayer. Bah. Et il faut mettre le truc en. Remets un petit jeu de rein. Alors. Ah. Non, mais tu sais, on fait ça, c'est chewing-gum de terre. Voilà. Oui. Non, c'était bien. Franchement, bravo. Félicitations. Il ne fallait pas choquer aussi trop les gens. Oh, hein. Tu imagines, tu chantes et puis en même temps. T'as des personnes adultes ici, ça va, on assure tranquillement. La suite, c'est Adèle. Adèle qui sera reprise par Marie-Jo. Et en parlant d'Adèle, justement, j'ai l'impression qu'elle a trouvé un petit peu la formule magique. Toutes les sorties d'Adèle depuis 20. Son premier album. Toutes ses sorties se soldent par de gros succès.
Ouais, parce Someone que Like You, c'était une magnifique chanson. Elle a su jouer avec la sensibilité, l'émotion, et puis ça prend toujours. Je pense qu'elle a su jouer aussi avec la véracité de son histoire, tu sais, l'authenticité de son histoire. Ouais. Après, tout ce qu'Adèle raconte, t'as l'impression que c'est sa vie. Mais c'est du vécu. Elle le dit dans son chanson, elle tire son inspiration de son vécu personnel. Donc, quoi de plus normal que ça touche. Mais il y a quelque chose d'insolite avec, avec cette première chanson, ce premier gros succès. Someone Like You, une année, elle a été désignée comme l'une des chansons les plus jouées aux obsèques, aux funérailles, par exemple. Je sais, enfin... Mais tu sais que bizarrement, Someone Like You aussi a été joué dans les mariages. Hein. Mm-hmm. Je me rappelle, il y a des cérémonies de mariage quand tu vas jouer contre. Il dit ouverture de bal. On veut Mais c'est quand même bizarre. Like Je Mais pense que c'est peut-être parce que les mariés ne comprennent pas ce qui est dit dans la chanson. Oui, effectivement. C'est comme, juste la beauté de la mélodie, de, voilà, la c'est... façon Mais, de chanter. Mais moi, je me dis aussi, c'est peut-être ce qu'ils ressentent quand ils écoutent cette chanson. Mm-hmm. Par exemple, moi, une fois, je chantais une chanson, je crois l'année dernière, I'm Flying Without Wings de Westlife. Mm-hmm. Et Sarah disait qu'elle a juste envie de prier. Mm-hmm. Pourtant, c'est une chanson qui ne parle pas de prière, forcément. C'est vrai. Tu vois, c'est un petit peu comme Amore de Fally Ipupa. Mm-hmm. Parce que le titre, c'est Amore. Les gens supposent qu'en fait, ça parle forcément d'amour et tout. Alors qu'en fait, c'est une chanson pour s'excuser. De regret. Ouais. De regret, voilà. En quelque sorte. Mm-hmm. Alors, je vous raconte une histoire. Une année, à Nostalgie, il y avait une chanson qui avait été choisie comme chanson officielle de la Saint-Valentin. Le titre, c'est Oh Baby. Et c'est une chanteuse nigériane qui l'a chantée. Elle s'appelait G.O.D. Je ne sais pas si vous la connaissiez. Ça Oh Baby, I'm gonna wake up in the morning. I see your lovely face. Et le refrain faisait... Vous connaissez la chanson, yeah. Cucci Cucci. Bien sûr, bien Ou bien sûr. C'est un truc de meuf. Non, Cucci Cucci. On vous laisse entre vous. Bah oui, et donc Cucci Cucci, elle est décidée, elle est choisie, elle est désignée chanson officielle de la Saint-Valentin sur Nostalgie. Okay. Sauf que quelques temps plus tard, on va relire les textes de cette chanson. Et qu'est-ce qu'on découvre? Bah, on découvre tout simplement que c'est une chanson qui parle d'amour maternel. Donc en fait, la chanson s'adressait... C'est comme Doudouké. En fait, c'est comme un enfant. Bah, la chanson parlait... Aussi, bah, exactement. Ouais. Comme Doudouké. La chanson était adressée à l'enfant de G.O.D. à naître. Elle était enceinte. Elle a reçu donc cette inspiration-là. Elle parlait de son enfant comme Doudouké, justement. C'était la même histoire avec Doudouké. On a cru aussi qu'il s'agissait d'amour pour son chéri. Jusqu'à ce que je vois, moi, le clip, la vidéo de la chanson. Est-ce qu'il y a des chansons comme ça qui vous ont trompé un petit peu dans votre carrière? Vous pensiez que ça signifiait quelque chose, alors qu'en réalité, c'était complètement différent de ce à quoi vous pensiez? Ouais, ouais. Non, aucune chanson? Si, si. Vous n'avez jamais trompé? Peut-être qu'ils s'en souviennent pas. Si, je m'en souviens plus. Quand tu écoutes ça, Piou, ça t'inspire quoi tout de suite? Déjà, je ne comprends pas les paroles. Donc ça... Mais ça t'inspire quoi? Si tu comprenais les paroles, tu allais savoir que... Non, mais en même temps, souvent, tu comprends les paroles, mais tu ne comprends pas le fond, le message qui est caché. Parce que, par exemple, quand je prends Lady Melody, tu vois, je chante la chanson, je l'écoute. Mais en fait, jusqu'à présent, je me pose des questions. Tu vois, bon, Lady Melody, ouais, c'est juste une mélodie ou bien il y a autre chose en fait. Bon, qui comme moi n'avait pas compris le sens véritable de la chanson Marie-Jeanne de Kajim à l'époque? Moi. Alors, on pensait tous qu'il parlait d'une nana. Oui. Marie-Jeanne, Marie-Jeanne, Marie-Jeanne. Bon, moi j'ai très moi, vite non. compris. Moi, j'ai compris. J'ai grandi dans les quartiers populaires, donc dès le départ, quand la c'est chanson est sortie, qui nous ont c'est les vieux pères déjà. Cette chanson, il parle de ça. Hein. Il dit ah, ok. Ok. Il parle de quoi? Marie-Jeanne. De ça. Il parle de soi, à quoi tu penses? Et quand j'ai entendu Mai Mwanko, okay. Honnêtement, Mai Mwanko, ça vous faisait penser à quoi? Non, tout de suite, c'est la mélancolie. Hein. Moi j'ai découvert Mai Mwanko par le clip. D'accord. Donc déjà dans le clip c'était déjà expressif, donc tout de suite moi j'ai compris aussi. De quoi ça vous parlait, voilà, donc ça m'a pas posé de problème. Et quand tu écoutais Taxi Souillon, ça t'inspirait quoi par exemple aussi? Un homme qui va draguer une femme. D'accord. Dès le départ. Directement, tu l'as compris comme ça? Oui, moi, comme j'ai ça. Pas compris. Moi j'ai pas compris. Moi je me suis dit certainement qu'il parle du mauvais caractère des taxis. Voilà. Mais merci. Voilà. J'ai pensé à ça. C'est même le public. Ou bien comme Vanessa Paradis, c'était un genre de Joe le taxi à l'ivoirienne en fait. C'est à ça que je pensais. Quelqu'un voulait comme savoir ça. Ce que Marie-Jeanne de Kajim signifiait. On parle en fait, ça parle de substances illicites. En gros, de consommation de substances illicites, de la marijuana. Okay. Se promener donc, avec toi est un délit. Voilà. Et donc, c'est vraiment, il a rendu tout ça un petit peu poétique. J'ai pas compris le contraste. Se promener avec toi est un délit, mais c'est pour toi qu'il chante cette mélodie. Bah oui, je chante ça pour combattre.
Je chante ces chansons pour toi, pour te combattre en quelque sorte. Ok. Coco Kajim. Bisous. Kajim qui... et donc ce soir, tu vas nous chanter Make You Feel My Love. Yes. Alors ce que j'aime avec toi aussi, c'est que tu as toujours une petite histoire à raconter avec tes choix musicaux. Donc on t'écoute, pourquoi ce choix-là? Adèle, d'abord, c'est une chanteuse qui m'a toujours parlé. Bloque-toi. La pub, et on revient. Et voilà, juste avant la pub, on s'est expliqué un petit peu les sens cachés des chansons, les sens qu'on se faisait, ou sinon les significations qu'on pensait être celles des chansons qu'on s'écoute régulièrement, mais qui finalement ne sont pas celles auxquelles on pense. Et on est tombé sur la chanson que tu viens de reprendre tout à l'heure. C'est une chanson de Adèle, une chanson qu'on adore tous ici. Le titre, c'est « Make you feel my love »,« Je veux te faire sentir mon amour », traduction. Oui, c'est ça. C'est que ça. Et c'est quoi l'histoire derrière le choix de ces chansons? L'histoire derrière cette chanson, c'est l'émotion que je ressens et de savoir que c'est une personne que j'admire beaucoup. Je ne savais même pas que c'était le père de Miley Cyrus qui a composé cette chanson pour Adèle. Et donc, j'ai envie de montrer tout mon amour à Gliss ce soir. Je reçois l'amour. Mary Jo sur le plateau de Nostalgie Fun Outdoor. When the rain is blowing in your face and no one is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows in the stars and there is no one in the dry of tears, I could own you for a million years to make you feel my love. And I go crawling down the avenue. Now there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love. The strong are riding on the rolling sea. Ain't no d'émotions dans cette chanson, ouais, des paroles poignantes. Bah oui. Tu es la remplaçante de Raphaël. De Raphaël, non, ouais. Ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas entendu vraiment dose d'émotions. C'est le genre de chanson qui te mène à réfléchir. Oui. C'est très profond. Et je pense qu'elle n'est pas dédiée seulement à de l'amour. À un amoureux. Ouais. Ouais, un amoureux, enfin à tous les amoureux d'ailleurs, que ce soit fraternel,
parentale, charnelle. Marie-Jo, pourquoi j'ai l'impression que tu te sens beaucoup en Adèle? Je m'identifiais dans le temps. D'accord. À Adèle, avant qu'un échange son son esthétique. Voilà. Je m'identifiais beaucoup en Adèle parce que dans un milieu comme les États-Unis où l'industrie musicale est très high-level, elle a réussi à s'imposer avec son physique. Exactement, il y a le diktat du showbiz. Elle n'a pas conscience qu'elle était un peu comme la voix de son voix, tu vois. Elle tout était un petit peu disait, votre modèle à vous. Voilà, tout le monde se disait... Vous reconnaissiez en elle. Hein. On n'a pas forcément besoin d'être prototype mince. Bon, je ne parle pas de Sarah. Hein. Prototype mince, manchin. Est-ce que moi, je suis mince? Skinny. Je suis un peu truc manchin. Pour pouvoir percer dans la musique, il fallait juste avoir ce qu'il faut donner, l'émotion, et que les gens puissent apprécier ce que tu fais. Elle était la preuve qu'on pouvait réussir, quelle que soit sa morphologie. Voilà. Et qu'il ne fallait pas ressembler à une personne typique, en fait, avoir une silhouette typique pour réussir, un profil typique pour réussir. Et aujourd'hui, je pense que ça doit être aussi pour des raisons de santé. Il faut le voir peut-être comme ça. Oui, dans ce cas-ci, d'accord, on comprend. Mais c'est un petit peu comme Jennifer Hudson. Vous vous souvenez, la perdu, Black, ouais. Magnifique voix qui était dans Dreamgirl aux côtés de Beyoncé. Mais très, très belle voix. Elle était rondement belle, je préfère le dire comme ça. Et elle a perdu du poids, si ça se trouve. Je préfère penser que c'est pour des raisons médicales. Un peu comme Armel Bent aussi. Oui. Armel Bent, oui. Armel Bent a perdu du poids. Hein. Moi, je pense que finalement, ils se sont laissés impressionné par tout ce que les gens ont dit. Enfin, ce serait un petit peu injuste vu qu'on ne connaît pas les vraies raisons. Voilà, après, c'est ma pensée. Sinon, elle était magnifique. D'ailleurs, Abel a chanté « Je n'ai qu'une philosophie, être acceptée comme je suis, malgré des formes et des rondeurs, je reste le point levé. » En tout cas, ne changez pas, restez tel que vous êtes. Forcément. Si ça ne nuit pas à votre santé. Forcément. Une chanteuse a chanté. Et j'ai envie de dire. Il y a des gens qui aiment ça. Si tu es toi. Il y a des gens qui aiment ça. Mais elle a changé. J'ai même envie de vous dire, restez comme vous êtes et surtout croyez en vous. Parce que nous, on croit aussi en vous. En anglais, ça donne I believe in you. Yeah. Et c'est la prochaine chanson. Elle est signée Loqua Kanza. Jérémy, tu as perdu toi-même ta propre chanson. Jérémy, I believe in you. Un petit peu d'espoir dans cette émission ce soir. Si. Si. Au bout du monde, chercher l'amour qui donne. Les montagnes, les déserts ne pourront pas t'arrêter. Tout au fond de ton âme, il y a une flamme qui s'endort. Où la vie peut jaillir comme une étincelle de joie. Le soleil viendra, qu'importe le temps que tu crois, la vie t'appartient. On peut changer son destin, mais il faut le vouloir. Construit sur du sable, c'est un château sans espoir. Pour le temps qui nous reste, dans le meilleur de soi. Le soleil viendra, qu'importe le temps que tu vois, la vie t'appartient.
Merci pour cette bonne portion d'espoir. Merci pour ces paroles fortes qui restent finalement gravées dans nos coins de la tête depuis la sortie de cette chanson et depuis son carton. Lo Kwai Kanza, qui est un chanteur qu'on aime aussi beaucoup pour sa plume, pour son esprit, pour les messages qu'il porte qui sont toujours un petit peu particuliers quand même. Déjà pour la petite histoire, récemment j'ai eu à travailler sur un projet. D'accord. Déjà depuis tout petit on entend Lo Kwai Kanza, Lo Kwai Kanza. Mm-hmm. Quand il est arrivé, je m'étais promis, j'ai dit que dès que j'arrive, je fais au moins 500 photos avec le gars. 500 photos. Quand il est arrivé, je suis resté pouspé. J'ai même pas pu lâcher un mot. J'étais tétanisé. Écoute, ça arrive, hein. Ouais. Donc, t'as fait au moins une photo à la fin, j'espère. J'ai pas pu. Non. Il partait, il a dit ah, petit au revoir. Mais en plus, Lo Kwai, il est super, mais alors là, super sympa. Il aurait pu s'arrêter. C'est vrai que Lo Kwai, il a quelque chose. Déjà, pendant l'émission, on chantait le morceau et puis il m'a dit petit, choisis une partie, lâche-toi. J'ai pas pu, en fait. J'étais tellement. Non, mais je te comprends. Peut faire ça. Donc, je lui ai dit, papa, la prochaine fois que j'aurai l'occasion d'être devant une caméra, je te dirai le morceau. Donc, coucou à toi, papa, Lo Kwai Kanza. Hello, Lo Kwai. Lo Kwai Kanza, c'est le papa de la plupart de ceux qui ont participé à The Voice Afrique francophone. Si, papa. C'est un vrai papa poule là-bas. C'est le papa de tous les chanteurs de cabaret qui sont sortis du cabaret, de tout, en fait. Parce que Lo Kwai, c'est l'émotion, c'est le professionnalisme, c'est. Tu vois, la douceur surtout. Il a quelque chose. Et j'aime beaucoup. Hein. Il y a des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien. Il y a des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien. Et tout va bien dans cette émission, surtout quand on sait que Guizotto va succéder à Jérémy sur la scène de Nostalgie Fun Outdoor pour nous reprendre. Une promesse de Johnny Hallyday, promesse qu'il a tenue, je l'espère en tout cas. Et toi, ce soir, tu promets à qui? En tout cas, moi, je... Tu promets à qui? Au public? À nous? Aux musiciens? Aux téléspectateurs? À qui? À toi-même? À ton amoureuse? Non. Ah, pourquoi non? Avec ton il a trop bondi sur non là. Oui, Guizotto m'a promis une chanson. Il m'a promis une chanson. Oh là là. Bon, je vais chanter d'abord, après je vais parler. Voyage musical, hein, c'était bien, c'était envolé, c'était enlevé. J'ai envie de dire que c'est la bouche mielleuse d'un véhicule. Et ça fait partie des plus belles promesses. Mais pourquoi tu doutes de mes promesses déjà? Non, tu ne peux pas douter. Je te promets que j'arrive bientôt. Toi, tu as ton deuxième single, j'arrive. Non, juste pour rire. Guizotto était censé nous raconter une petite histoire avant le morceau, donc. Ah, il peut renchérir. Tu peux renchérir. J'ai pas compris. Guizotto devait nous raconter une petite histoire avant le morceau. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Vous ne laissez pas, hein, vous aimez non, rechérir. Non, rechérir là-dessus. Oh non. Mais, écoute, mais rapidement, hein, vas-y. Oui, rapidement, c'est une promesse qu'on peut faire à soi-même. Uh-huh. Oui, pour... Qu'on peut. Bon, bref. Pour baiser de ma bouche là, c'est toi-même. Merci. Ce sont des images, tout simplement. Merci. Je suis d'accord avec toi. Ce Merci. Pas toute la vie, mais quelques... Mais arrêtez, mon enfant, arrêtez. Guizotto, il est franc d'habitude. Hein. Et moi, je le crois. Allez, merci. Vous savez ce qu'on va faire tout de suite? On va ouvrir notre collection des plus belles, des plus lumineuses, des plus... Grandes. Des plus... Spectaculaires. Des plus... Étincelantes. Des plus... Magnifiques. C'est bien, vous avez appris vos leçons. Si, si. On étudie en classe. Nos magnifiques performances pour ce soir. Et c'est Sarah Lise qui va nous ouvrir cette collection de trésors Sarah musicaux, Lise. De performances. Avec Donnez-nous un peu de Rosine Laïo. Chanson cartonesque, l'une des chansons de l'année définitivement. La meilleure chanson de l'année 2021. Ah, tu m'étonnes. Hein. Oh, yeah. Donnez-nous.
qui passe frappe à la porte de l'amour, en espérant qu'il nous ouvre un jour. Par tous les moyens, on veut trouver notre âme sœur quelque part, mais apparemment l'âme sœur ne nous cherche même pas. Pourtant près de nous, il y en a qui vivent l'amour. À côté de nous, il y en a qui mangent l'amour. Pour eux là c'est trop chic, c'est ça qu'on appelle love. Pour nous là c'est mauvais, c'est love est devenu velo. Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi votre amour, vous mangez là. Servez-nous un peu, donnez-nous un peu, on veut goûter aussi votre amour, vous mangez. Servez-nous un peu, donnez-nous un peu, votre amour, vous mangez. Servez-nous un peu, donnez-nous un peu, votre amour, vous mangez. Servez-nous un peu. Dans nos relations, tous les jours il y a explication. Voilà, et on souffre trop. Toujours c'est les discours, jusqu'à même pour gagner des bisous. Souvent on se met à genoux. Pourtant on dit que l'amour se trouve partout, mais apparemment pour nous là ça est dans le trou. Aujourd'hui matin c'est doux, le soir ça devient bizarre, le lendemain c'est renversé. Love est devenu velo. Donnez-nous un peu, votre amour vous mange là. Yeah. Donnez-nous un peu, votre amour vous mange là. Servez-nous un peu. Votre amour vous mangez, servez-nous un peu, donnez-nous un peu. Yeah. Votre amour vous mangez, servez-nous un peu. Serve-nous un peu, ou même venons tu es. Donne-nous un peu, serve-nous un peu, donne-nous un peu. Car de quoi de quoi, de quoi de quoi, votre amour vous mange là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Belle version acoustique. Waouh, je kiffe, j'adore, je craque. Je suis sous le charme de cette autre version. On apprécie différemment les paroles. Non, mais je pense qu'en fait, tu ne nous as pas donné un peu. Sarah, tu nous as tout donné ce soir. Sarah, on a failli prier. Hein. Prophète chrétien, en fait. On avait levé les mains vers le ciel. Moi-même, j'ai changé l'atmosphère. Moi-même, j'ai posé un instant que j'ai tenté de m'adresser à Dieu. Non, en fait, c'était un moment d'adoration. Un moment d'adoration. Bah oui, c'est carrément. Fort. On était emportés par l'esprit. Oh. Tu vois, on se laissait transporter. Avec Kevin derrière. Bravo à Kevin. Voilà. Franchement, bravo aux musiciens.
les musiciens sont top. Tu as cette manie bravo. De transformer les mélodies, mon frère. Merci, merci. Les doigts, t'es magique. En fait, il y a un transformateur de mélodies. Il a des doigts du néo soul. Moi, tes doigts. Lève un peu la main. Alléluia. Non, c'est lui qui crée. Ce sont eux qui créent la magie avec la voix. Franchement, bravo les gars. Elle était magnifique. Je sais que Rosine va l'adorer, cette version, quand elle entendra. De toute façon, vous êtes très, très bonne amie. J'espère, oui. Je pense que tu as assisté aussi à la naissance de cette chanson. Si, donc ça, c'est un très, très bel hommage que tu rends à Rosine ce soir. Effectivement. Et j'ai bien aimé la petite partie en guéré. Si, ah ouais, entendu ça. Marie-Jo. Seigneur, viens m'en aide. Attends, elle va dire. C'est pas ce qu'elle a dit, Marie-Jo. Marie-Jo, attends. Seigneur, viens m'en aide. Parce que j'ai besoin d'amour. Et ça donne quoi? Gela Gibladé. Mais attends, j'ai des oreilles, moi. J'entends. Gela Gibladé. Gibladé. Bon, toi, tu appelles Gela Gibladé. Moi, je vais appeler quelqu'un d'autre Gibladé. Oui, quelqu'un qui comprend bien la langue, là. Et donc, avant que cette personne ne vienne, pardon, Jérémy, mais je vais te demander de, s'il te plaît, de nous laisser 5 petites minutes. Merci. Hein? Mais tu reviendras. Il est trop mignon, Kevin. Avec toute ma garantie. Gentil, hein, Jérémy. Il a envie de dire. Merci beaucoup. Mais tu reviens, hein, tu rentres pas à la maison, hein, d'accord, ok. Donc la personne qui est Guy Bladé maintenant, c'est la Titi. Yeah. Titi. La voix qui vient titiller. Ah, enfin, je vais la voir en vrai. Titi. Ah. Magnifique, ah, Titi. Magnifique. Oh. Titi, tu comprends la langue de Sarah, non? Gela Gibladé. Aïe! Est-ce qu'elle est guérie? Mais il y a eu peur, Glisse. Ah. Elle est guérie? Tu n'es pas guérie? Non, pas du tout. Mais aïe! Ah! Aïe! Moi, je n'ai pas dit qu'elle était guérie. Mais ton nom, là, t'avait guérie, en fait. C'est vrai, mais je suis Annie. Quoi? Ah! Oh. Mais oui, c'est vrai. En plus, ton nom. Alors, rappelle-nous ton nom à l'état civil. Hein. Laetitia Taï. Laetitia Taï? Taï, oui. Bah oui, ça fait trop de loin. Moi, j'ai un peu guérie, ça fait guérir même. Carrément! Mais on t'a déjà dit qu'on pensait que tu étais guérie. Bien sûr. Bah, toute ta vie. Bien sûr. Mais je pense qu'il serait temps que tu prennes des cours de guérie quand même. Parce que tu as maintenant, il faut que franchement ouais, tu puisses vrai, parler. Ça va sinon? Aussi alors, c'est ma soeur, je fais comment? Je ne suis pas guérie. Tu l'as soutenue. Quand tu suis cette petite fille. Elle est Yacouba. Tu es obligée à un moment. Donc, Glisse, ça me donne l'envie de lui demander ce que ça signifie en Nanyé, Taï. Taï, oui, c'est vrai. Elle n'a pas demandé ça. Franchement. Titi, tu n'as pas demandé un tout petit non. peu? Non, j'ai pas demandé. Okay. Un petit peu? Non. C'est pas tout le nom aussi qui a une signification. Non, j'ai pas demandé. Franchement, j'ai pas demandé. Gaïla, là, ça n'a pas de signification. Donc peut-être que qui t'a dit ça a une signification. Pardon. Gaïla, là. Oui. Tu sais pas, mais il faut pas parler. Je sais. Non, c'est pas gay même. Dans ta langue, c'est pas gay. Hein. Quand les guerriers parlent, c'est avec la Yakuba. Si. Donc tous les années et puis les Apollos, on se met derrière. C'est un nom qui existe en Yakuba aussi. Et moi, je peux te donner la signification. Ah bon. Moi, tu es au village. Je comprends bien ma langue. Titi, bienvenue. Merci beaucoup. Franchement, Titi, elle a le secret des robes. Ah bon, hein. Ça fait 3 fois que je te vois sur scène et 3 fois, tu as 3 robes magnifiques. Lève-toi quand on te regarde un peu. Lève-toi quand on te... Ah là là, Titi. Yep. Non, Titi, dis-nous la vérité. Tu aurais voulu être mannequin dans une autre vie. Ça t'a jamais intéressé? Non. Bizarrement. Mais fashion addict un peu quand même. Oui, pourquoi pas. Si, de temps en temps, parce que quand je vois les boucles d'oreilles et tout ça, hein, les filles, ça donne un petit quelque chose. Ouais. C'est magnifique. Et ta coiffure, tu parles de moi. Oui, c'est vrai, tu m'as dit que tu aimais bien ma coiffure. Ça fait un genre. La crinière, mesdames et messieurs. La marque déposée. Non, mais c'est trop beau, franchement. Alors, tu reviens d'un séjour à Paris? Oui. Comment ça a été? Ah, ça s'est super bien passé. C'est ta première fois? Oui. Okay. Ça s'est super bien passé. Mm-hmm. Enfin, le froid a failli me décourager, tu vois. Un peu. Mais alors, nous, ce qui nous intéresse, c'était côté Gaoud. Tout le monde a son... À son premier jour à Paris. Premier Gaoud à Paris. Quoi. Ouais, mais regarde, Glisse, quand tu veux parler de Paris, la femme est... Regarde. On va tourner vers ici. Non, mais je sais, Titi, assez stylée. J'ai oublié, Sarah, c'est route de la Gibladé. Donc, tu vois, en fait, premier Gaou à Paris. Non, je suis restée digne. Pardon, ma chérie, nous tous on connaît. Nous tous on sait que tu as ton premier Gaou à Paris. Non, je t'assure. Tu nous dis ça juste après la pub. Hein. On reste là, on revient. Bon, après cette longue pub, nous sommes de retour. Et j'espère que vous êtes toujours à votre place, hein, en train de nous regarder ce soir, parce qu'on a de ravissantes dames avec nous et un monsieur qui a fait un afro spécial. J'allais me lever hein, pour vous parler deux mots. Vous me dites deux petits mots de la même famille.
Ah, on comprend pas. Et nous sommes avec Titi. Ouais, merci la voix pour qui titille hein. Le sommet. On peut applaudir pour Titi, s'il vous plaît. Titi, tu te souviens, quand on l'avait reçue à NCI, c'était la thématique. Titi, la voix qui veut titiller le sommet. Oui. Ouais, c'est vrai que tu veux titiller le sommet. Ouais. Effectivement, évidemment. Évidemment. Titi, on n'a pas oublié que tu étais à Paris et que tu devais nous raconter. C'est ça. Tu es bizarre. Ta première fois, Gaou à Paris. Moi, il faut que je me rappelle. Dernier Gaou à Paris, oh. On est arrivé à Paris, oh. Moi, je sais que j'avais peur, en fait, à l'aéroport, parce que le gars qui m'a contrôlé mon passeport, en fait, alors c'était à la mort de DJ Arafat. Okay. Donc, quand il a entendu que j'étais communicatrice et que je venais de la Côte d'Ivoire, il voulait faire bérer sur la Côte d'Ivoire, un blanc. Hein. Donc, il me fait, ah, je venais de la Côte d'Ivoire. Ah, mais Arafat, il est décédé malheureusement. Arafat, c'est le pilier du coupé des... Oh, le blanc, quand tu fais un coup d'histoire sur Arafat. En temps, je ne suis pas seule, on m'attend de l'autre côté. Donc, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème sur ton passeport. Joe, c'est ta première fois. Ouais, on t'a attrapé au Ils ont pensé qu'il y a l'aide. C'est ça, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? C'est ton passeport là-bas, mais on t'attend. 20 bonnes minutes, mon cœur battait. Mais je pensais qu'à la fin, elle m'a dit, OK, en fait, finalement, il y a un petit souci, vous allez devoir retourner. Mais deuxième Gaou à Paris aussi, c'est que quand je partais, et là, je peux le dire officiellement, hein, je suis partie à des affaires de quelqu'un qui m'a confié des affaires pour sa sœur. Mais je n'avais pas confiance aux affaires, là. J'ai dit, comment il est arrivé là-bas? Ils m'ont découvert quelque chose dedans. Donc déjà, à Pigeon ici même, là, je me... Quand il met les barrages, j'étais loin comme ça, pas au cas où j'ai dit c'est pas pour moi. Et on arrive là-bas et les affaires arrivent vraiment en retard. Ça a fait le tour jusqu'ici, mais qu'est-ce qui se passe? Mais nos affaires là n'arrivent pas ou bien il y a un problème dessus. Je tremblais comme une feuille. Franchement, Gaou à Paris, quoi. Après, ouais. Les affaires sont arrivées. Tout ça pour que tu racontes ton histoire. Après, Sarah va raconter sa première fois à Goïtapla. Je ne vais pas sortir de Paris. Ça, c'est moi. Pour pas me frustrer. C'est méchant. Ça, c'est moi. Non, c'est... j'avoue que franchement, Titi, on n'aime pas première ça fois, ici. J'étais... Non, j'étais trop sereine, en fait. Tu vois, quand tu regardes mon visage, Titi, c'est la sérénité. Savoir que c'est la première fois. Uh-huh. Non, franchement, le voyage s'est super bien passé. Mm-hmm. Non, franchement, j'étais sereine. Ouais. Sereine, non. Ouais. Et le tournage aussi, parce que j'ai vu les images de Making Of. Par contre, le tournage, c'était très hard parce qu'on a commencé à 4 heures. Uh-huh. Le maquillage, oui. Ouais. Il faisait froid, je suppose. Ah non, laisse tomber le froid. Ouais. En fait, la place où on a t'es tourné... T'es parti avec tous tes vêtements d'ici ou t'as refait du shopping là-bas? On va dire un peu des deux. D'accord. Voilà. Mm-hmm. T'étais blindé. Tu vois, non. Et puis sans gars. Et la place où on a tourné, c'est une place touristique. D'accord. Donc à partir de 7h, 8h, non, tu peux plus tourner en fait. Il y avait du monde. Ah ouais, énormément. Donc il fallait, la descente des escaliers, il fallait que je sois absolument seule dans le clip. Donc on a tourné très très tôt. Mm-hmm. Donc il faisait hyper froid, mais après le soleil est sorti et puis bon, ça s'est bien passé. Mm-hmm. Après tu as profité aussi de la ville. Oui, c'était pas bien que boulot, 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 boulot. Non, bien tu entendu. As retrouvé les tantes Jeannette qui sont là-bas depuis 1920. Non, je n'ai pas appelé. Personne. Non. Aïe. Je voulais pas de bagages supplémentaires. J'ai oublié que tu as Annie même. Je voulais pas payer sur plus de quelqu'un, tu vois. Non. Ah, tu vois, bah, t'as vu. Alors, par contre, on va inviter Jérémy. C'est pas sa première fois sur cette scène. Non, c'est pas un gaou. Mais Sarah, tu veux expliquer la première fois Please. Il a dit quand tu fais la fête. Pour le moment. Je sais pas pourquoi elle est à Paris. Hein, mais t'es allé en Afrique du Sud, tu nous raconteras. La première fois. Ah, ta vie, elle a changé. Tu sais, en fait, là, mais j'ai envie de parler un peu l'anglais parce que tu crois que là, tu parles d'Afrique du Sud. You know what? You know, hein? Pardon, Marie-Jo, c'est pas mieux que tu chantes maintenant. C'est mieux parce que tu connais Sarah. Là, ça part en... On va pas s'en sortir. Ça part en cacahuète. Ouais, tu m'étonnes. Donc, Marie-Jo, tu nous reprends touchée? Ta oui. propre chanson. Ouh. Oui, ma propre chanson. C'est du narcissisme. Merci. Je dis merci. Aïe. Je suis même. Merci. Mais le véritable n'est pas à la portée de tous. Si on m'avait prédit que je trouverais aussi ce langage, j'avoue j'aurais pas cru mon doudou. Viens dans mes bras bébé, c'est toi et moi bébé. Depuis que j'ai vu ton écran, j'ai senti que c'est toi, oui j'ai senti que c'est toi. Viens dans mes bras bébé,
c'est toi et moi, bébé. Depuis que j'ai vu ton écran, là, j'ai senti que c'est toi, oui, j'ai senti que c'est toi. Aïe, aïe, je suis touchée. Je suis touchée. Bébé, now you, parmi ton doute, now you. J'ai cherché loin ce qui était tout près de moi. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Bébé, ma bonne, c'est toi. Tu es le soleil de ma vie. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Bébé, c'est toi, l'amour de ma vie. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Tu as gommé, gommé tous les gommins, gommins, tous les gommins, gommins de ma vie. Je suis touchée. Je suis touchée. Aïe, aïe, je suis touchée. Je suis touchée. Viens dans mes bras, bébé. C'est toi et moi, bébé. Depuis que j'ai vu ton écran, j'ai senti que c'est toi, oui, j'ai senti que c'est toi. Viens dans mes bras, bébé. C'est toi et moi, bébé. Depuis que j'ai vu ton écran, là, j'ai senti que c'est toi, oui, j'ai senti que c'est toi. Aïe, aïe, je suis touchée. Je suis touchée. Aïe, aïe, je suis touchée. Souvent que l'amour a plusieurs langages, mais le véritable n'est pas à la portée de tous. Si on m'avait prédit que je trouverais aussi ce langage, j'avoue, j'aurais pas cru, mon doudou. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Bébé, ma bon Dieu, c'est toi, tu es le soleil de ma vie. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Tu as gommé, gommé tous les gommins, gommé tous les gommins, gommé de ma vie. Je suis touchée. Aïe, aïe, je suis touchée. Je suis touchée. Dose d'émotion. Quelle pureté. Oh là là, quelle sensation, hein, quel moment intimiste. Je suis touchée. Alors, à un moment, la caméra était sur Titi et on a quand même l'impression qu'elle n'était plus là avec nous. Non, non, je n'étais plus là. En fait, tu étais sur les nuages roses. C'était sur les c'est nuages. Magnifique. Roses. Franchement, j'ai envie de te dire une seule chose. Hein. On est touchés par ta prestation. Il n'y a personne qui peut écouter cette chanson sans être touché. Vraiment. Dans le titre même parle, quoi. Marie-Jo a décidé de nous faire pleurer ce soir. Donc, vraiment. Depuis son souvenir enchanté. Et Guizotto, depuis que je te connais, t'as jamais pleuré, toi? Non, je pleure à l'intérieur. Si le poisson sort de l'eau pour venir te dire que le caïman pleure, faut croire. Mais il faut au moins que le poisson sorte de ton corps. Il est là-bas, il est dans ton corps. Voilà un poisson qui est sorti, il te pleure à l'intérieur. Donc, faut croire. Guizotto, franchement, je te crois. Alors... Titi, quand tu écoutes cette chanson-là, qu'est-ce qui te vient à l'esprit tout de suite? Vous êtes jeune chanteuse. C'est le genre de chanson que j'aime écouter, justement. Mm-hmm. Donc, c'est posé, il y a tout, il y a le texte, il y a la voix. Je ferme juste les yeux et puis je pars avec Marie-Jo, tu vois. Ouais. On dit que de plus en plus, les chanteuses à voix sont de retour sur le marché musical ivoirien. Est-ce que cette place-là, vous l'avez réclamée, vous l'avez revendiquée à un moment? Est-ce que vous avez senti que vous n'étiez pas assez mise en avant? Que c'était difficile aussi? Oui, forcément, c'est un peu difficile, mais justement, comme tu le dis, les chanteuses à voix sont de retour, on va dire. Et c'est très, très important, justement, en live. Là, on a vraiment l'impression que c'est le CD qui passe. Mm-hmm. C'est tout le charme, en fait, de la musique, de pouvoir faire du live facilement comme ça. Donc, moi, c'est vraiment tout ce que j'aime. Ou peut-être la question que je vais poser, c'est est-ce qu'à un moment, vous avez l'impression que c'était fermé pour vous, qu'il n'y avait pas votre place, en fait, en Côte d'Ivoire? Moi, si je peux répondre,
à un moment donné, on a eu un style musical où on ne pouvait pas vraiment s'exprimer vous en tant exprimer. Que chanteuse à mm-hmm. voix. Voilà. Et on essaye de faire souvent des musiques dites en griffes dansantes et tout, mais de montrer quand même qu'on est des chanteuses à la base. Non, voilà. moi je dirais plutôt que faut chercher son public. Est-ce que tu as l'impression d'avoir trouvé ton public justement avec cette chanson? Parce qu'avant celle-là, tu avais sorti deux autres. Hein. Non, parce que je visais un public qui n'était peut-être pas le mien. Là, maintenant, tu as trouvé ton public. Là, je me ressens, je dis qu'il y a forcément des personnes qui vont apprécier ça. Parce que c'est ce que j'ai envie de proposer. En tout cas, c'est la chanson préférée de DP. Coucou. Touchée, elle est magnifique, cette chanson. Et on va continuer. Hein. Tu nous as touchés. Tu as forcément touché quelqu'un d'autre qui va venir sur scène pour t'emboîter le pas. C'est Jérémy? Le choubim bim, est-ce que t'es là? Le choubim pain. Boum. Forcément, oui. le pain frais. Ne me donne pas d'idée. Hein. Le pain frais, Jérémy, tu nous chantes? N'y pense plus, Taïk. De ne plus y penser? Pourquoi? On parle de toi. Fais du mal, s'il te plaît, n'y pense plus. Il a souillé ton âme, toi tu t'es battu. Mon cœur est plus précieux que de l'or. N'y pense plus à lui. Pour un an, tu veux plus voir le jour. Des milliers d'entheures, elle veut te faire l'amour. Ton cœur est aussi beau que l'or. Que l'or. Kimi, imi, imi, imi. J'allais. Kimi, imi, imi. J'allais boubé. Kimi, imi. Yeah. Encore tu pleures pour une histoire de love. Ils vont encore dire que t'inquiète pas que d'amour, que d'amour. Mais c'est toi qui demandes à être consolé. Moi je suis ton ami, les amis font ça toujours. Donc on va parler. Tu t'es plié en quatre pour un salaud. Et pour vous tu dédonnes sans compter. Lui il a planté le couteau. Et il a regardé ton sang couler. Et depuis tu ne sors plus. J'ai demandé au matin tu ne mens plus. Yeah. Mon avis tu voulais. Oh, réponds plus à lui. Fais du mal s'il plaît n'y pense plus. Il a souillé ton âme, toi tu t'es battu. Ton cœur est plus précieux que de l'or. N'y pense plus à lui. Pour un an, tu veux plus voir le jour. Des milliers d'entheures, elle peut te faire l'amour. Ton cœur est aussi beau que l'or. Que l'or. Oh. Yimi, 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 yimi. J'allais. Yimi, yimi, yimi. J'allais boubé. Yimi, yimi, yimi. Oh, you love. Yimi, yimi, yimi. Oh, you love. Yimi, yimi, yimi. Oh, j'allais boubé. Yimi, 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 yimi. Non, ça, c'est le fun. Tu veux ta mort, tout ça pour un petit fils. Je n'aurais jamais pensé qu'une femme comme toi puisse tomber aussi bas. Tu l'aimais, lui t'a fait payer. Aujourd'hui tu le maudis. Mon c'est toi que je maudis et tu vas comprendre pourquoi. Non, 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 personne ne t'a forcé à rester. Non, non, personne ne t'a forcé à rester. Tu étais tellement fier de vous, fier de vous. Oh. Aucun homme ne pourra te faire tomber. Non, non, aucun homme ne pourra te faire tomber. Tu es la fille de ta mère, le bijou de ton père. Réponds plus à lui. Fais du mal, s'il te plaît, n'y pense plus. Il a souillé ton âme, toi tu t'es battu. Ton cœur est plus précieux que de l'or. N'y pense plus à lui. Pour un an tu veux plus voir le jour. Des milliers d'entheures elle veut te faire l'amour. Ton cœur est aussi beau que l'or. Que l'or. Yimi, yimi, yimi. Mille est qui? Mille est qui pour te faire pleurer? Yimi, yimi, yimi. Give me, 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 give me,
fait du mal, je peine, n'y pense plus. Il a souillé ton âme, tant tu t'es battu. Mon cœur est plus précieux que de l'or. N'y pense plus à lui. Pour un an, tu veux plus voir le jour. Des milliers d'auteurs, elle doit te faire l'amour. Ton cœur est aussi beau que l'or. Que l'or. Merci. Jérémy! Ah là 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 là! N'y pense plus, n'y pense plus. Merci beaucoup. On te retrouve tout à l'heure. Tu as le temps de d'y penser encore. Va penser, va penser. Merci. À tout à l'heure. On est toujours avec Titi. Oui, je suis toujours là. Titi qui est toujours avec nous. Titi, rapidement, une petite playlist. Hein. Quelle est la chanson qui, pour toi, parle d'amour par excellence? Quand on dit amour, quelle est la chanson qui te vient à l'esprit par excellence? Tout de suite, Lara Fabian. Je t'aime de Lara Fabian. Ok. Qui est la chanson qui te rappelle tes parents? Que quand tu l'entends tout de suite, ça évoque le souvenir de papa ou de maman. Ça me rappelle ma mère, ça. Bien d'aide, Reine de la Gine, ouais. Magnifique. Quelle est la chanson qui te rappelle ton enfance? Quand elle te vient tout de suite, tu te rappelles ce que tu faisais, comment tu jouais, plus petite, voilà. C'est pour, la chanson qui est pour toi, on va dire, la Madeleine de Proust, hein, tu sais, cette chanson qui rappelle un petit souvenir de quand tu étais plus jeune, quand tu étais plus petite. Hein. Mmh. Moi, la chanson par excellence, hein, pour te permettre de réfléchir, c'est Azalaki de Gato Bivens. Ah ouais. La kawa, na 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 na, nesikakei, yekaboni na na. J'aime trop cette chanson, ça me dès qu'elle passe, je suis transportée. Ouais. Je sais pas trop. Allez, forcément il y a une chanson. On a tous une chanson. Sarah, pour toi c'est? Moi c'est Janky le champion, a tellement courage, je te promets. Mais quand c'est chez dessin animé. Oui. Et même quand tout va mal, il est heureux. Dans ce petit Janky, t'as choisi ta vie. Moi, là, vous avez commencé à réfléchir sur mon âge. Quand tu danses, tu te fais très mal. Car la danse, c'est son idéal. Il est super bon. Retiens bien son nom. Janky, Janky, Charmé ou tapis. Marie-Jo, ta chanson, c'est quoi? Titi, me continue. Mais franchement, comme Sarah, la chanson qui m'a toujours fait pleurer dans mon enfance. À l'école des champions. Viens. Je savais. À l'école des champions. Tu pleures aussi? Sous ton art de passion. Ta-na-na. Et donner tout ton cœur. Pour devenir enfin le meilleur. Bang, bang. Titi. Ouais. Mais là, tu serais toujours pas venu. Tu t'es retrouvé? Non, mais ça, je... Tu sais, tu n'as pas regardé. Tu n'as pas eu d'enfance. Bah oui, Titi. En fait. Forcément. Non, je suis née adulte, tu vois. Sophie et Virginie, tu n'as pas regardé? Non, non, pas du tout. Il met mal à l'autre bout du monde. Glisse pas, ne faut pas aller de la vie. Glisse pas, ne faut pas aller de la vie. Glisse pas, ne faut pas aller de la vie. Glisse pas, ne faut pas aller de la vie. Non, allez, c'est la même. Allez, des 80, non, non, non. Allez, non. Faut aller vers 95. Disons-nous ton enfance, alors. Moi, c'était Belle Notre-Dame de Paris. Ah, ok. Toi, tu es enfant, c'est de faux. Ouais, mais j'étais. C'est notre con. Moi, j'ai connu la chanson. Guizot, chanson oui. Qu'elle soit dit en. Pardon. Body. En 2000, là. Un. Quel âge avez-vous, monsieur? 2000. Mais c'est une chanson récente, quand même. C'est récente, oui. Par rapport à tout. Je vous explique. Non, attendez. On va découvrir aujourd'hui. Moi, j'ai connu la vérité. Écoutez. En fait, j'ai connu. C'est pas le grand frère. Bon, moi, j'ai connu la chanson en 98. Et j'étais enfant. C'était ton enfant. Oui. J'étais enfant. Qu'est-ce que tu vas faire ça? J'étais pas enfant. J'étais pas enfant. Tu étais déjà vacciné. Tu étais déjà vacciné. Tu connais mon âge. Majeur puis majeur. Baba. Non, 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 c'est un fou. J'étais à peine en sixième, 98. Onzième, j'ai un enfant. Et j'étais un enfant. Et tu avais quel âge en 98? J'étais un enfant. Mais tu avais quel âge? Isoto, c'est bon, faut aller. En 98, moi, va faire la grosse, ta grosse, t'es mieux. Ok. Quoi? Ah, ta grosse perf, pardon. Ma raison somnolée, ma conscience me conseillait.
subconscient me déconseillé. Mon esprit veut s'envoler, ma raison somnolée. Ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillé. Mon esprit veut s'en... Stop, de quoi tu me parles? Ma chère petite mot, t'es parano, manipulé par un autre. Qui te laisse croire que le monde est noir, mais trop tard. Mais dis dans un brouillard, t'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Ta raison se déchire, tu défies tes désirs. L'histoire d'oublier retire ses chaînes. Qui te prenne, qui te prenne, hein. Stop. Que tout n'est pas si rose, t'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es pas si différent des autres, t'as commis des fautes, chacun ses défauts. T'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Ta raison se déchire, défie les désirs. L'histoire d'empire retire ses chaînes. Qui se subconscient me déconseiller, mon esprit veut s'envoler, ma raison s'envoler, ma conscience me conseiller, mon conscient me déconseiller, mon esprit veut s'envoler, mon esprit veut s'envoler, mon subconscient me conseiller, mais mon esprit veut s'envoler. Non, tranquille. Alors, il y a deux chansons que je connais qui sont intitulées comme ça. Il y a Zombie de Cranberry. Yes. Non, mais en même temps, le titre ne reflète pas forcément ce que les paroles disent. Après, quand tu lis bien. Avec le recul. Hein. Avec du recul, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas le zombie en tant que tel, mais il est en train de simplement dire faut être toi. Mm-hmm. Voilà, faut être toi, faut pas chercher à être quelqu'un d'autre. À être quelqu'un d'autre, à faire comme. Mm-hmm. Est-ce que les musiciens peuvent nous dire, est-ce que ça va parce qu'il a utilisé en fait certaines lignes de notes de zombie, par exemple Pas non, du tout. Non, pas forcément, non. Titi,
T'as toujours été toi-même ou il y a quelqu'un qui t'a toujours inspiré? Est-ce que t'as... Enfin, j'ai toujours été moi-même, mais dans forcément, forcément y a, on est toujours inspiré par quelqu'un qu'on a déjà vu ou entendu, tout simplement. C'était qui tes influences, tes inspirations? Je vais dire Beyoncé à l'international et Monique Seka en Côte d'Ivoire. J'adore sa voix. Super, ouais. Super. Là, maintenant, c'est ta voix qu'on va écouter parce qu'on adore ta voix. Et tu ne seras pas seule, tu seras avec Sarah Lise. Super. Sur ton dernier titre, désolé, sous applaudissements, évidemment, on va accueillir... Titi! Je voudrais me mettre à ta place. Je sais que j'ai agi comme une lâche. J'ai encore déconné. Je sais que j'ai du sale. Et quand je te vois pleurer, ça me fait mal. Tu sais que j'aimerais pouvoir essuyer tes larmes. Faut pas résister, s'il te plaît, déposer les armes. Je sais qu'il me met dans ton sur un pied les armes. Oh, oh, oh. C'est que je saigne, c'est que je saigne. Pourquoi tu t'en ailles? Faut pas que je t'en aille. J'ai déconné, je sais que j'ai déconné. Oh, oh, j'suis désolée, babe. Je sais que j'suis désolée. Je sais que je zague, je sais que je zague. Hey, yeah. J'ai déconné, babe. Je sais que j'suis déconné. Ma baby, viens qu'on reparte à zéro. Ah. Qu'on efface tous les mots qui sonnent faux. Yeah. Toi-même, tu sais que je t'ai dans la peau. Oh, 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 ma vie sans toi n'a plus de sens. J'ai tant besoin de ta présence. Ton regard me fait atteindre le ciel. Tu es mon pilier, ma vie, mon essence. Et pour avoir ton pardon, j'irai jusqu'au bout du monde. Baby, t'es mon bien le plus précieux. J'ai tant besoin de nous deux. Sans toi dans ma vie, je suis seule au monde. Laisse tout tomber et reviens, reviens moi. Je sais que je saigne, je sais que je saigne. Faut pas que tu t'en ailles, faut pas que tu t'en ailles, baby. J'ai déconné, j'ai déconné. Je sais que j'ai déconné, je sais que j'ai déconné. Je suis désolée, je suis désolée. Je suis désolée, je sais que je saigne. Que j'aimerais pouvoir essuyer tes larmes. Faut pas résister, s'il te plaît, dépose les armes. Je sais que t'es en boule, mais je t'en supplie, reste calme. J'ai déconné, j'ai déconné. Je sais que j'ai déconné, bébé, j'ai déconné. J'suis désolée, j'suis désolée. Bébé, j'suis désolée. Bébé, je suis désolée. J'ai déconné, j'ai déconné. J'suis désolée, j'suis désolée. Baby, j'suis désolée. Wow! Quel duo! Merci. Magnifique. Oh là là, magnifique. Mais alors là, magnifique, Titi. C'était génial. Merci. Merci à Sarah. Quand on finit de vous écouter, on ne s'excuse pas. On n'est pas désolé, au contraire, on est non, ravis. Mais là, ça me donne une idée. On est ravis. Tu es d'accord? On va faire une cover de cette chanson à deux. Magnifique. Ah, c'est magnifique. Ah, ça va être magnifique. Mais en même temps, je vais te piéger. Dis-moi. Parce que tu vas faire aussi une cover de ma chanson avec moi.
l'eau que tu as bu. Mais magnifique. Oui. Je suis partante. On va faire ça. On va faire ça en version acoustique. D'accord. Bien posée comme tu aimes. Il y a pas de ça. Et mais, tu vas donner l'explication un petit peu, la justification de cette chanson, oui, la motivation. Ouais. Marie-Jo, elle n'est pas trop d'accord avec moi, tu vois. Non. D'accord. Mais bon, y a pas de... En fait, je disais dans cette chanson que pour moi, il faut parfois mettre l'orgueil de côté. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Souvent, tu sais que c'est chaud, donc. Faut aller au front, ouais, tu vois, non, faut pas trop attendre que l'autre vienne vers toi, tu vois. Quand tu sais surtout que c'est toi le fautif, faut aller vers l'autre. Donc c'est vraiment ce que j'ai voulu dire dans cette chanson. Faut pas avoir gros cœur comme on dit chez nous. Voilà, c'est ça. Gros cœur, c'est une expression ivoirienne, gros cœur, c'est un peu nouchi, non? Un peu. Ouais, ouais, Donc tu lui demandes pardon. Est-ce que tu parles un peu nouchi, toi? Qu'est-ce que t'as fait? Tu parles un peu nouchi, toi, Titi? Bien sûr. T'as l'air tellement sérieuse, tellement parfaite, tu vois. Non, pas du tout. Et même dans la chanson, elle disait j'ai zaillé. Ouais, non, c'est pas Zaire. On dit Zaire, elle est trop choco. Pardon, c'est pas Zaire. Zaire. Alors, on dit Titi and the Zion. Je sais que j'ai Zaire. Juste une petite histoire, c'est ça. Vas-y. Ma, ma soeur qui écoutait la chanson sur Nostalgie, il m'a dit, Marie-Jo, t'as comme une Titi, là, sa chanson où elle Zaire dedans. Non, sérieux, c'est ce qu'on entend. C'est quelle chanson, ça? Elle dit, mais où est-ce que la Zaye? J'ai dit, oh, ok. Zaye. Je n'ai pas compris. Ouais, là, j'entendais Zayeux. Non, Zayeux. Ah, ok. Vous, Zayeux. Écoute, elle a fait ça un peu en français. Tout à l'heure, tu vas reprendre ta chanson Ma Moitié avec. J'ai un peu peur. Avec Marie-Jo. Mais juste avant, tu vas nous la faire en nouchi, juste le premier couplet. Hein? Tu nous lis les paroles. Jesus. Le premier couplet, déjà, quand tu le chantes, ça donne quoi? Mesdames et messieurs, en exclusivité, Titi sur la version Ma Moitié, mais en nouchi. Alors, la version normale, ça donne quoi, hein? Tu nous la fais juste un peu. Tu es apparu dans ma vie un moment compliqué. Je souffrais, mes proches m'avaient tous délaissé. Oh, Nalinki, il faut que je te le dise. Je ressens beaucoup de choses pour toi. Je ne veux pas être dans la vie. Belle ok, douceur. Donc tu vas nous reprendre cette partie-là. Maintiens l'écran pour pas que ça s'est... D'accord, ok. Voilà. Okay. Donc tu vas nous reprendre tout ça, mais en mode nushi. Hein, on a réécrit pour toi ce petit couplet-là. Donc, tu es trop sérieux, Titi, tu as des gamins. Ouais, on dit non, Titi, elle est trop carrée, elle est trop immaculée, tu vois. Immaculée. Parfaite comme pardon, ça. Pardon, pardon. Je suis pas immaculée. Dégame un peu. Attends, Kev va m'accompagner. Oui, Kevin. Ou pas. Kevin, faut l'accompagner, pardon. On a changé quelques petits mots, mais je pense que la mélodie reste la même. C'est pas possible ce qui se passe. D'accord. Il y a une posture pour chanter en mode New Bushi aussi. Hein. Il y a la posture des Igéi. Comment on fait? Voilà. Je sais pas. Voilà. Voilà. D'accord, allons-y. Tu es apparu dans ma vie un moment de gadou. Je souffrais, mes proches étaient tous rentrés en brousse. Tu étais le seul à me dire Choco, Choco, ça va aller. Voilà, et aujourd'hui, je veux que tu sois mon mogo. Ah, Bogaïs, je vais être au Kouman. Là, ben, je suis trop bored de toi, je ne veux pas être agréqué. Ah, Bogaïs, je vais être au Kouman. Là, ben, je suis trop bored de toi. Ah, je veux que tu donnes un nono. Oh, eh ouais, je veux que tu donnes un nono. Oh, eh ouais, je veux que tu me donnes un côté. Oh, voilà, eh ouais, côté. Je veux que tu me donnes un ah. Oh, eh ouais, no. Ah. Je viens à peine de capter les paroles. J'ai écrit une partie, Marie-Jo a écrit l'autre partie. Je savais qu'elle a dit Marie-Jo a mis une partie. Elle a dedans. Mauvais fond. Elle a dit, je veux que tu me donnes un wano. Un wano. C'est pas moi qui ai écrit la partie, c'est Marie-Jo. Je veux que tu me donnes un wano. Je veux que tu me donnes un wano. Je veux que tu donnes un wano. S'il te plaît, je veux un wano. Titi, maintenant, Titi, maintenant. Titi a compris, maintenant, elle chante ça à fond. Non, mais vous n'êtes pas sérieuse. Bravo, Titi. On ne peut pas être faute comme ça, même de Nushi. Ouais. Allez, on va enchaîner direct, justement, avec ta prochaine prestation. Tu vas nous reprendre Ma Moitié, la vraie version, hein. D'accord. Maintenant, c'est pas le wano. C'est pas le wano. Marie-Jo, tu es malhonnête.
C'est Marie-Jo. Marie-Jo et Titi, ma moitié. Marie-Jo. Tu es apparue dans ma vie à un moment compliqué. Je souffrais, mes proches m'avaient tous délaissés. Je fus le seul à me dire, bébé, ça va aller. Aujourd'hui, je veux que tu sois ma moitié. On a lingui, et faut que je le dise, ressemble beaucoup de choses pour toi, je suis de ton ami. On a lingui, il faut que je le dise, ressemble beaucoup de choses pour toi, je veux que tu sois ma moitié. Ma moitié. Je veux que tu sois. Mon moral était à zéro. Je venais de me faire envoyer, envoyer du boulot. Certains disaient que je chantais mal, que je chantais faux, que je n'ai pas assez de qualité, même plein de défauts. Tu fus le seul à me dire, Titi, ça va aller. Aujourd'hui, je veux que tu sois ma moitié. Oh, Nalini, il faut que je te le dise, je ressens beaucoup de choses pour toi, je ne peux pas être que ton ami. Oh, Nalini, je ressens beaucoup de choses pour toi, je ne peux pas. Je veux que tu sois ma moitié. 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 Toujours là pour moi quand j'ai besoin de toi, oh mon bébé, Nalila. Tu me consoles, me conseilles, m'empêches de couler, Nalila. Je suis trop fort de toi. Tu es trop près pour moi. Je suis trop fort de toi. Oh, yeah. Tu es trop près pour moi. Je veux que tu sois ma moitié. Oh, ma moitié. Je veux que tu sois ma moitié. Oh, yeah. Ma moitié. Je veux que tu sois ma moitié. Oh, ma moitié. Je veux que tu sois ma moitié. Oh, ma moitié. Toujours là pour moi quand j'ai besoin de toi, oh mon bébé. Me conseille, m'empêche de couler. Je suis trop fort de toi. Tu es trop près pour moi. Je veux que tu sois ma moitié. Oh, ma moitié. Je veux que tu sois ma moitié. Oh, yeah. Ma moitié. Je veux que tu sois ma moitié. Oh, ma moitié. Je veux que tu sois ma moitié. Oh, ma moitié. Je veux que tu sois ma moitié. Je veux que tu sois ma moitié. Merci. Magnifique. Aux musiciens. Aux musiciens. Oui. Rien bravo à dire. Les musiciens. Franchement. Bravo. Bravo. Magnifique. Je crois, ah. Kevin. Merci Enoch. Beaucoup. Ah, mais c'était Marco. Trop chiclé ça. Je t'invite sur la scène. Hein. Oh, bravo. En tout cas, merci bravo. Beaucoup. C'était merci. Très, très joli. C'était franchement, wow. Cette chanson, elle est c'était magnifique. Wow. Vraiment, celle. Je suis impressionnée. Tu, wow. Tu écris tous les textes toi-même. Hein. Non, non, non. Non bon, je me fais aider. Enfin, j'apprends. Écriture, okay. Parce que c'est vraiment un art tout d'accord. Entier. Okay. Donc j'apprends et je me fais aider en tout cas. Ouais. Très bien. Merci. En tout cas, bravo et félicitations pour ces merci deux magnifiques beaucoup, reprises. Gilles. Merci beaucoup. Titi, en ce moment, c'est la sortie, l'actualité, c'est évidemment Désolé. C'est ça. Le clip est disponible. Oui, la déjà sur YouTube sur depuis le 1er juillet, on d'accord. Va dire. Ouais, presque sur les plateformes de téléchargement. Oui, sur toutes les plateformes également. Donc c'est à écouter sans modération. Est-ce que tu as déjà des statistiques déjà de.
des écoutes et tout? Non, j'avoue que non. Pas encore, pas encore. Je suis en mode, j'essaie de faire la promo autant que je peux. D'accord. Et je dis merci, je profite de ce micro pour dire merci à Nostalgie. Merci pour tout ce que Nostalgie fait pour moi et pour tous les artistes. On accepte. Merci beaucoup. Franchement, c'est énorme. Hein, c'est énorme. Merci pour ce que tu fais pour les oreilles de nos auditeurs parce que ta voix est un véritable délice. Merci. C'est une cure, c'est une thérapie. Franchement, on te souhaite tout le meilleur. Merci. Et si je peux ajouter, franchement, je souhaite que tu sois au-delà de la Côte d'Ivoire. Amen. Merci. Honnêtement, que tu sois au-delà de la Côte d'Ivoire. Parce que ta voix ne peut pas rester ici. Nos voix, je veux dire Marie-Jo, Sarah-Lise, José de la Tour, Elodie, Mac Mel, on a de grandes voix qui ne peuvent pas rester en fait, ici. Moi, ça me rend fière parce que je me dis. C'est des personnes que je connais, que j'ai vu évoluer, on a tous évolué ensemble. C'est ça. Et aujourd'hui, les voir en avant, nous voir en avant, ça te donne une certaine chaleur. Fierté, tu sais, Franchement, je suis contente quand tu dis, ah, c'est ma copine, hein, c'est ma copine, je la connais. Je suis touchée, je la connais, c'est ma copine. Je te souhaite vraiment le meilleur, Petit. Merci beaucoup pour ton humilité. C'est moi qui vous remercie. Cette douceur-là, tu la gardes toujours. Merci, merci pour ton passage. Amen. On salue Tony. D'accord. L'ange gardien, l'éminence grise. Il veille. Celui qui est toujours derrière, qui te suit comme une ombre, même s'il n'est pas là ce soir. C'est ça. Rentre bien. Merci infiniment. Merci pour l'invitation. Et à très merci bientôt, à tout le monde. Titi. Merci beaucoup. On a la pub, histoire de la laisser partir en toute discrétion, comme elle aime d'ailleurs. Et on se retrouve juste derrière. Restez avec nous. On est désolé pour ça. De retour de la pub, nous remercions pour votre fidélité sur cette émission Nostalgie Fun Outdoor qui aborde sa 4e saison cette année avec notre team de rêve, notre dream team, Nos chanteurs qui sont toujours là et qui depuis le début de cette émission font le plaisir de mélomanes que vous êtes. Nous allons continuer justement en honorant ce soir, en rendant un petit hommage, un grand hommage aussi à notre humble niveau, à un artiste, un pilier de la musique reggae made in Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui chante depuis 1986, donc à peu près 36 ans de carrière. On l'appelle le Gangaba de Trash Town. Je n'étais pas encore née. Son dernier album remonte à 2014, c'est Je Reste. Et franchement, c'est l'un des rares artistes dont je connais pratiquement plus de la dizaine de chansons. C'est d'ailleurs sur chaque album, il y a forcément une chanson que je connais. Depuis les frères Keïta jusqu'à sa carrière solo, on l'adore. Ismaël Isaac en Côte d'Ivoire, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Ce soir, on va reprendre quelques-uns de ses titres pour faire plaisir à ses fans. Et donc, le premier qui va s'y coller, c'est Guizotto. Tu as choisi le titre Réfugié, où il fait un clin d'œil à toutes les personnes exilées qui ne sont pas chez elles. Oui. Mais qui. Au-delà même de ça, moi, j'aime déjà la mélodie. Donc, voilà, je reprends ça. Pour ça d'abord. Petite pensée à toutes les personnes qui sont réfugiées encore aujourd'hui, si tant il est qu'il en est aujourd'hui. Chacun son bang-bang-bo, chaque bang-bang a son tous cassé sous trali. Ça y en crapaille, c'est la paya. Réfugié, oh, Ije, réfugié, oh. Moi, réfugié, oh, et mon coup. Réfugié, Ije, réfugié, oh. Moi, réfugié, par mon Seigneur. Tous mes bords la Côte d'Ivoire, c'est là. Au t'as cassé, Malila. Tous mes bords la Sénat, Angola. Au t'as cassé, la Guinée. Tous mes bords la Sénat, Angola. Au t'as cassé, Zimbabwe. Oh, réfugié, par mon Seigneur. Réfugié, oh, Igélé, réfugié, moi, réfugié, Igicha, touye. Réfugié, Igélé, réfugié, oh, moi, réfugié, prends courage.
la 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 Ni tombé de bruit là, ni tombé hier et demi là, eh eh Allah. Ni ta chienne en way, dans le terrain manancé, na yo. Folie biria, jelly balancé, na. Masuguru kia dalu tumu dalu tola kongolai Tara yara timoro katayai La yara timoro kia lai Domini timoro kia tumu Hey Allah yeah Tara yara timoro katayai La yara timoro kia lai Domini timoro Domini timoro Na 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 na, taga yara timoro katayai, la yara timoro kala la 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 la, domini timoro, domini timoro, oh yeah. Refugee oh, ichele refugee, wa 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 Réfugié, wa 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 oh yeah. Merci. Merci pour cette vibe. Good vibration maximum. Boulot, boulot, boulot. Laisse-moi te dire. Good job. Merci, merci. Chèque Yvonne. Chèque Yvonne. On me l'avait attribué aussi. Hein. Ah, d'accord. Bah oui, Chèque Yvonne, la Chèquette, la Yvanette, Chèquina et tout ça, tout y est passé. Franchement, merci, on s'est réfugié l'instant d'une chanson dans les paroles de cette chanson aussi. Merci. J'espère que le message a atteint les personnes cibles dans cette chanson-là. On enchaîne direct avec une autre chanson parue sur l'album Black System, c'est Mayumako. Chanson imposée à un concours de karaoké national à l'époque qui avait fait un tabac. Et qui, des années plus tard, reste un indémodable, un inoxydable, un indéboulonnable de nos playlists reggae. Mayumako, c'est une chanson magnifique. C'est Jérémy et Mary Jo qui vont le reprendre donc ce soir. On parle évidemment du titre Mayumako de Ismaël Isaac. Toujours dans l'optique de rendre hommage, n'est-ce pas, Sarah? En fait, c'est pas love. Hein. Ah, moi-même, j'ai pas compris. Tu peux laisser ça, mais merci. Le love, c'est la bave, comme je te dis toujours. Tout le monde. Yeah. Je reste en forêt. Bisoto. Yogo Yaga. Yaga Yogo. Monumento lebe. Ande nyongo topo kiyama. Tu babu karake ke ke tagale tu babu karake ni san woro ne san yoro tagale monja sakarake ke ke tagale monja sakarake ancora bayale un promosso nelu dans l'uno qui sipa Kisimba, ancora baiale, un promozione luda luno kisimba, wow, un promozione luda luno kisimba, il a
Magnifique, c'est bien. Alors cette chanson, elle vous évoque des souvenirs en particulier ou pas? Mayumako de Ismaël Isaac. L'année de sortie. Souvenir, bon, pas l'année de la naissance de la chanson, pas la naissance de la chanson, mais je reprenais cette chanson une fois à la cérémonie d'un grand frère proche de du père à son âme, de feu Sidi Diallo. D'accord. Mais toute l'émotion que le monsieur mettait pour chanter cette chanson, j'en ai eu des frissons et depuis ce jour, je l'apprécie différemment en fait. D'accord. En fait, tu lui as passé le micro, c'est un instant à karaoké. Ouais, voilà. Et si ça se trouve, c'est qu'il a peut-être vécu ce qu'il a relaté dans cette chanson. C'est parce qu'il parle un petit peu des difficultés qu'on peut avoir quand on cherche un boulot après les études. Et c'est vraiment pas facile. Moi, pour la petite histoire, je me rappelle, j'ai passé le BEPC. Déjà, je ne comprends pas les paroles. Ouais, gravement, toi aussi. je ne comprends pas les paroles du morceau. Je cherchais une chanson sur le net qui parle des études, parce que c'était gâté, étudiais pas. Donc, la partie où on dit études benini, concours fara, wa. Donc, moi, j'ai commencé à bosser le morceau où j'écoutais. Pendant la composition, j'ai dit hey, Seigneur, toi, c'est le pourtant, ça ne parle même pas de Dieu ni d'études, même, mon cher. Donc... Ah ouais? En fait. Ça a déclenché quelque chose chez toi? Forcément. Je prenais ça pour me consoler, en fait, parce que c'était gâté. Ah bon? Ouais. J'avais quel âge? Tu te promenais trop? Non, jeux vidéo. Je commençais à rentrer dans la musique un peu, donc. Et je partageais les études. Tu allais vers l'école? Tu allais vers l'école? À un moment donné, il partait vers l'école. Qu'est-ce que c'est? Le côté adolescence, là. Tu as la crise d'adolescence et tout. Tu as commencé à chanter à quel âge exactement? Depuis tout petit, à l'âge de 7 ans, ouais. Non, tu chantes à l'église? Oui, dans une église. Ok. Mais des chœurs de la juvénile de Sucroix, à 7 ans, puis au fur et à mesure. La chorale juvénile. Oui, grâce à certains grands frères déjà qu'on suivait, pour ne citer que Guillaumont, etc., qui nous ont permis de suivre un petit chemin dans la musique. Aujourd'hui, grâce à Dieu. Tu le tiens de qui, papa ou maman? Les deux. Ok, ils sont chanteurs à l'église aussi? Mon père est maître que ma maman est choriste. Qu'est-ce qu'il pense du fait qu'aujourd'hui, tu ne chantes plus vraiment à l'église, mais que tu chantes un petit peu dans des cadres, on va dire, différents? Déjà, pour mes parents, c'est une grande fierté de voir leur enfant au-devant des scènes, même si ce n'est pas encore ce qu'on veut, mais c'est une fierté pour les parents, déjà. Et déjà, je n'ai pas laissé l'église.
Tu chantes toujours à l'église? Toujours, toujours. Dès que j'ai la possibilité, quand je suis pas en voyage, chaque dimanche je suis à l'église. Parce que c'est là-bas qu'on vient, en fait, c'est la base. Ouais, c'est la base. En fait, avec certains artistes, j'ai parlé un petit peu, et pour ceux qui ont commencé à l'église, ils sont un petit peu partagés entre avoir une carrière de musique normale, je veux dire normale, et une carrière de musique gospel. Est-ce que toi, tu es déchiré à ce niveau-là? Pour l'instant, je n'ai pas encore fait le choix, mais je crois que ça ne dérange pas. Mm-hmm. Ça dérange pas. Déjà que je sais faire la part des choses, mm-hmm. quand je vais à l'église, je me concentre à fond pour l'œuvre de Dieu. Quand je sors, je vis de ma musique. Ah, j'ai eu peur d'être. Quand je vais à l'église, je me concentre pour l'œuvre de Dieu. Quand je sors, je me concentre pour l'œuvre. Yeah, pardon, mon frère. Mayumako, ça t'inspire. Ça t'inspire quoi? J'ai eu peur. Ah, et on a eu peur. Non, j'ai pas terminé. Parce que vraiment, si tu dois te consacrer chaque fois sur les deux côtés, c'est pas bon du tout. Alors, Mayumako, pour toi, quel souvenir? Moi, ça me rappelle plus mon père. D'accord. Parce que c'était quelqu'un de très sévère et on sortait pratiquement pas. Et puis, il y a un maquis qui ouvre juste devant notre maison. Toujours. Donc, alors, quand on est assis au balcon les soirs, 15-16 heures, on jouait ça. Donc, on écoutait en ça. En fait, ton papa ne voulait pas que vous alliez à la boîte, mais la voilà, boîte est venue vous venu à nous. La boîte est venue à eux. Votre prière était trop forte. Voilà donc, comment je découvre la chanson. La chanson Maïmanko. Voilà, donc. Et papa, il en disait quoi? Enfin, il n'est pas allé essayer de fermer le maquis. Non, il peut pas. Il peut se plaindre pour nuisance sonore. Bon, ça, c'est rien. En ce temps, est-ce que les gens connaissaient? Ils ne connaissaient pas ses droits. Voilà. C'est pas vu, les gens ne connaissaient pas trop. Donc, on va étancher notre curiosité. À quel moment, justement, tu commences à sortir alors? C'est carrément. Je quitte la maison du vieux carrément pour sortir. Hein, sinon, en fait, c'est quand tu as pris ton indépendance. Vieux, voilà. Tant que j'étais chez le vieux, on ne sort pas. L'école, maison, point. Et alors, tu trouves que c'est une bonne éducation, mais c'est trop dur avec le recul. Oui, c'est bon, mais ça c'est revers aussi. Ah bon, hein? Oui, ça c'est revers. Parle-nous des revers. Moi, j'ai une petite fille, je dois les trucs. Donne-moi les revers. Non, mais le revers, c'est que déjà, tu sais, le monde évolue très vite. Uh-huh. Et quand l'enfant est bloqué, fermé, voilà, il y a des choses que l'enfant ne saura pas. Ne découvre pas. Ses amis seront un peu plus en avance que toi, lui. Toi, tu aurais voulu découvrir quoi, plutôt, par exemple, que tu n'as pas eu? Par exemple, lui, tout à l'heure, il a parlé de jeux vidéo et consorts. Moi, j'ai pas connu ça. Oh. Ou bien... c'est là-bas, on va lui acheter. Oh. C'est quand ton anniversaire? On va lui acheter. On a applaudi pour Kiloto. Il a eu une enfance un peu difficile. Il n'a pas joué aux jeux vidéo. Il n'a pas joué aux jeux vidéo. Le vieux, vraiment, il était strict. Il contrôlait un peu tout. Bon, maintenant, il a changé avec l'âge, tu vois. C'est comme ça. Il est devenu plus souple avec les petits frères. Uh-huh. Moi-même, souvent, je le vois, mes petits frères, je suis étonné. Je dis, le vieux. Il pense quoi de ta coiffure? Avec les millions qu'il fait entrer maintenant, là. Là, je suis un père de famille. Avec les millions que tu fais entrer maintenant. C'est moi qui décide maintenant. La liberté de ça. Franchement, c'est énorme. Sarah, moi, il manque où? Ça me rappelle quand on était... à Bobo Kennedy. On ne pleut pas, hein? Non, à Bobo Kennedy. Viste. Tu as vu comment elle a commencé? Tu la menaces pour quoi? Tu as vu comment elle a commencé? Par contre, tu as commencé. Tu la connais. Non, ça me rappelle à Bobo Kennedy, chez nous à la maison, quand il y avait Star Karaoke. Mm-hmm. À l'époque, on n'avait pas de télévision, donc on partait regarder chez le voisin. Wow. Et c'était magnifique. Et c'était une bonne ambiance. On était dans une cour commune. Dans la maison des gens. Non. La cour commune. Mais tu c'est-à-dire sais que la maison du voisin, c'est oui. ta maison. Bah oui, c'est comme ça. C'est la base. C'est la base. Quand tu habites dans une cour commune, la maison du voisin, c'est ta maison. Ouais. C'est la maison du voisin. C'est une grande maison avec plusieurs chambres, en fait. Voilà. C'est pas maison. C'est un peu ça. Donc, ça me rappelle à Bobo Kennedy Clotia. Et je salue tous les amis, les voisins qui sont restés jusqu'à aujourd'hui. Tu as la chance. Vous savez, petite anecdote. On était au Kennedy Club. En 30 secondes, oui. Et les voisins, même quand ils nous voyaient, ils disaient, honnêtement, vous ne ressemblez pas ici. Mm-hmm. Tu vois. Et je pense que les paroles qu'ils nous ont dites... De bénédiction, ouais. Voilà, ça a été une prophétie parce qu'on a quitté... On est arrivé au Kennedy en 92. On est reparti en 2006. Wow. Oui, j'ai pratiquement fait mon enfance là-bas. Donc, jusqu'à aujourd'hui, quand ils nous voient, il y a un sentiment de fierté pour dire, on savait.
T'as vu, je vous ai dit. Voilà, c'est pour ça qu'il l'aime menacé de ne pas pleurer, sinon je la connais. En tout cas, Sarah, je suis fière de toi. Pour toi, elle est bien. Quand tu partais à être chez tes voisins, puis on t'a cédé. Moi, quand pas tombé, je chassais. Il y a la pub. Tu bavardais ou bien? Je faisais le bruit. On se retrouve juste après la pub. Nostalgie Fun Outdoor dans ton poste téléviseur. On est ravis de t'avoir avec nous pour cette autre émission. Et pour vous dire au revoir, évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. Restez connectés hein, et suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager toutes les vidéos qui découleront de cette émission. Partagez, mettez des cœurs. Hein. Partagez le direct. Mettez les cœurs. On termine tout ça en beauté avec Sarah Lise, la couronnée de gloire et de diamants. Sur le titre Jamana de Ismaël Isaac. À la semaine prochaine. Camilada, ho fatta dove na nyuru faragna. Aya, e chamana ka erebe mo goma go boro woyo. Halali tiama, dugoni ko erebe mama boro nyamia wo. E chamana ka erebe mo goma go boro woyo. Halali tiama, hey, halali tiama. Oh, 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 Ibisi ka trompe, masara mani tisi ka trompe, nyomia o. Emo, nebisi ka trompe, ibisi ka trompe, masara mani tisi ka trompe. Fode me, lago e, lago, nyomia e. Roja moko saya. Yeah, we come from de la politique. S'appelle la mort. Politique roja moko saya. Lago, lago. Yeah, yeah. Inyam, yeah. Alalo, ala. Yeah, lago. Yamande, yamande.